Bourdin Direct sur RMC a l'honneur et le privilège aujourd'hui d'accueillir Monsieur le Président Macron. Alors, Monsieur le Président, il paraîtrait que vous auriez décidé de porter le gilet jaune sur les Champs-Élysées. Je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Alors, Monsieur le Président, à l'approche du 11 novembre, qu'auriez-vous souhaité dire à tous nos gilets jaunes? Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Monsieur le Président, les rumeurs sont insistantes et il paraît que vous auriez même trinqué avec Xi Jinping pour la fête et les discours à venir des Gilets jaunes. Vous auriez tapé du poing sur la table et sans crainte et sans honte, Monsieur le Président, vous voulez arborer ce gilet jaune. Je sais que dans un monde où l'information s'entrechoque et où nous sommes en quelque sorte de manière décomplexée, entrer dans une société du spectacle où dire les pires choses consiste à être à la mode. Monsieur le Président, soyons plus précis et opiniâtres. Que souhaitez-vous pour le siècle futur et pour nos enfants défavorisés? Chaque jour, ces pages déchirées, ces trahisons à notre histoire, moi, je ne m'y habitue pas. Alors je vous le dis très clairement, le siècle qui s'ouvre nous regarde et nos enfants nous attendent. Réglons les crises. Œuvrons ensemble à lutter contre toutes ces inégalités. Monsieur le Président, une rumeur insistante au Palais de l'Élysée nous submerge. Il paraîtrait que vous souhaiteriez quitter Brigitte et vous auriez invité Ingrid Levasseur à passer des vacances au Canada sous l'été indien. Est-ce vrai tout cela? On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Monsieur le Président, une dernière question pour cette interview. Cela me fait dire que votre réélection est foutue complètement. On vous aurait vu en discothèque faire la Java. C'est pas possible ça pour un président digne de ce nom. On va s'étourdir à coups de décibels. On va se glisser dans la ronde des belles. Assis devant mon whisky, moi j'ai vu deviner.